Alors, c'est pas mieux pour le jeu, vu que cette année ils ont annulé le championnat du monde en salle. Donc on est venu se mettre en jambes pour pouvoir prêter pour le jeu. Ah, comment faire pour se concentrer justement avec autant d'épreuves annulées, avec la Covid? Comment vous faites? Bon, on essaie de s'organiser avec le coach parce que c'est pas du tout facile de s'entraîner avec le Covid. Mais malheureusement à Abidjan, les autorités nous laissent le moyen de mieux faire les choses. Donc on espère que la prochaine fois on pourra mieux se préparer. Je reviens un instant sur la course et sur vos objectifs pour cette saison. Vous avez déclaré vouloir battre le record d'Afrique qui date de 1999. Ça paraît quand même une haute barre. C'est déjà mon objectif. Je suis venu courir cette année en salle pour battre le record d'Afrique de 6,45. Et on espère que les bobos vont nous lâcher afin qu'on puisse aller encore plus vite. Vu la course ce soir, qu'est-ce qu'il vous reste à faire à votre avis pour arriver à ce niveau-là? Je pense que la forme est là. Juste qu'il y avait un petit doute qui était là, donc il fallait vraiment pas forcer. Heureusement, ce doute-là est passé, donc je pense que ça va aller encore plus vite.